Bio Herbs Cacao est un cacao en poudre de première qualité, mêlant l'utile à l'agréable, originaire d'Afrique. Le Bio Cacao possède des propriétés médicinales et aphrodisiaques naturelles puissantes. Notre cacao n'est composé d'aucun arôme artificiel, d'aucun colorant ou des conservateurs. Avec de l'eau chaude ou du lait, profitez d'un tendre goût de cacao. Avec BioHebs Cacao, vous êtes assuré de retrouver une capacité physique optimale. Un complément alimentaire conçu pour les hommes augmente la libido pour une santé sexuelle positive. 30 minutes après l'usage, vous avez des résultats positifs. C'est la première fois que j'ai goûté un complément alimentaire sain, propre, bio. Sans produits chimiques et sans aucun effet secondaire qui fait des merveilles. Tout ce qui est écrit pour ce produit est vrai. Bienfait pour le cœur et la morale, lutte contre l'hypertension, pour le diabète. En tant que médecin, je vous conseille de l'utiliser. Et pour devenir distributeur, écrivez-nous sur jaimesociety1@gmail.com. Plaisir de vous retrouver à nouveau dans cette grande tribune du premier jour du mois de novembre. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de suivre Congo Buzz Télévision, cette chaîne qui vous permet de comprendre l'actualité de façon approfondie. Un seul sujet également à l'ordre du jour comme hier, toujours la question de l'Est, FARDC M23. Que cache le gouvernement? On va essayer de comprendre ce qui se trappe derrière cette communication du gouvernement. Alors, j'ai deux invités ici sur ce plateau avec qui nous allons échanger autour de ce sujet. Monsieur Henri Tshimbalanga, vous êtes journaliste et analyste politique indépendant. Bonjour et merci une fois de plus de répondre à notre invitation. Bonjour Dan, je suis encore très heureux de cette opportunité au regard du sujet par rapport à la situation qui continue toujours à nous mettre mal à l'aise parce qu'il s'agit d'une partie du Congo, ça veut dire une partie de notre propre corps. Et je suis content aussi de me retrouver en face de Manix Yenda, et que je salue chaleureusement. Et merci. Je pense que on va essayer d'aborder, en tout cas avec toute sérénité, cette question. On regarde la vitalité, en tout cas, de la situation qui prévaut là-bas. Merci beaucoup, Monsieur Henri Tshimbalanga. Manix Yenda-Kado du LGD, le parti politique de l'ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo. Manix Yenda, bonjour. Merci une fois de plus de nous faire confiance. Bonjour, merci beaucoup Dan pour l'invitation. Et en même temps, je salue mon co-débatteur. Pareil pour le Congolais qui nous suivent de partout, le Congolais de Kinshasa et les Congolais de la diaspora. Vous savez, aujourd'hui, je suis un homme heureux. Parce que, au-delà du fait que je sois cadre d'un parti politique connu, le LGD, Leadership et Gouvernance pour le Développement, mais je suis aussi le porteur de la voix des 100 voix, les représentants du peuple, le député de la rue. C'est vrai, il y a des gens qui pensent que le fait d'aller au Parlement, cela ferait de vous le véritable représentant du peuple. Vous-même, vous avez vu la rupture qui s'installe entre ceux qui sont au Parlement et nous, députés de la rue, nous qui échangeons tout le jour avec notre peuple. Surtout que la seule différence avec ceux qui sont au niveau du Parlement, ils font un contrôle parlementaire sur l'exécutif. Mais nous, nous faisons un contrôle citoyen pour effectivement contraindre les dirigeants de notre pays à un devoir de redevabilité, rendre le compte au peuple congolais. Mais notre contrôle citoyen s'est fait aussi sur le représentant du peuple au niveau du Parlement, sur les présidents de la République, sur le mandataire public de l'État, mais aussi sur le gouverneur de province. Et donc aujourd'hui, je suis très heureux d'être là dans la rue, parce que c'est dans la rue qu'on entend la voix du peuple, le cri du peuple.
être élu ou pas, éligible ou pas, avoir été validé ou invalidé, listé dans un parti ou pas, je resterai député de la rue. Merci beaucoup. Manick Sienda, le député de la rue. Que cache le gouvernement? On va essayer de comprendre ce qui se trappe derrière cette communication du gouvernement. Alors, j'ai deux invités ici sur ce plateau avec qui nous allons échanger autour de ce sujet. Monsieur Henri Tshimbalanga, vous êtes journaliste et analyste politique indépendant. Bonjour et merci une fois de plus de répondre à notre invitation. Bonjour Dan, je suis encore très heureux de cette opportunité au regard du sujet par rapport à la situation qui continue toujours à nous mettre mal à l'aise parce qu'il s'agit d'une partie du Congo, ça veut dire une partie de notre propre corps. Et je suis content aussi de me retrouver en face de Manick Sienda et que je salue chaleureusement. Merci. Et je pense que on va essayer d'aborder, en tout cas avec toute sérénité, cette question. On regarde la vitalité, en tout cas, de la situation qui prévaut là-bas. Merci beaucoup, Monsieur Henri Tshimbalanga, Manick Sienda, cadre du LGD, le parti politique de l'ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo. Manick Sienda, bonjour. Merci une fois de plus de nous faire confiance. Bonjour, merci beaucoup Dan pour l'invitation. Et en même temps, je salue mon co-débatteur. Pareil pour le Congolais qui nous suivent de partout, le Congolais de Kinshasa et les Congolais de la diaspora. Vous savez, aujourd'hui, je suis un homme heureux parce que, au-delà du fait que je sois cadre d'un parti politique connu, le LGD, Leadership et Gouvernance pour le Développement, mais je suis aussi le porteur de la voix des sans-voix, les représentants du peuple, le député de la rue. C'est vrai, il y a des gens qui pensent que le fait d'aller au Parlement, cela ferait de vous le véritable représentant du peuple. Vous-même, vous avez vu la rupture qui s'installe entre ceux qui sont au Parlement et nous, députés de la rue, nous qui échangeons tout le jour avec notre peuple. Surtout que la seule différence avec ceux qui sont au niveau du Parlement, ils font un contrôle parlementaire sur l'exécutif. Mais nous, nous faisons un contrôle citoyen pour effectivement contraindre les dirigeants de notre pays à un devoir de redevabilité, rendre le compte au peuple congolais. Mais notre contrôle citoyen s'est fait aussi sur le représentant du peuple au niveau du Parlement, sur les présidents de la République, sur le mandataire public de l'État, mais aussi sur le gouverneur de province. Et donc aujourd'hui, je suis très heureux d'être là dans la rue, parce que c'est dans la rue qu'on entend la voix du peuple, le cri du peuple. Être élu ou pas, éligible ou pas, avoir été validé ou invalidé, listé dans un parti ou pas, je resterai député de la rue. Merci beaucoup. Manick Sienda, le député de la rue. Alors, avant d'annoncer ou de lancer l'échange, ce n'est pas un débat, est-ce que, en dehors de ça, est-ce qu'il y a un sujet particulier que vous souhaitez commenter? Bon, franchement, en tout cas, le sujet de l'Est, il reste, cette insécurité-là reste vraiment le sujet le plus dominant, parce que ça nous tient. On a des amis, on a des frères là-bas, on a des amis ici qui ont des familles là-bas, ils sont tristes tout le temps, alors ça nous affecte, hein, ça nous affecte en tout cas sérieusement. Et je pense que c'est, il n'y a pas autre sujet que ça. Manicienne également. Ben, moi je dirais, il faudrait qu'on parle un tout petit peu sur la qualité des débats politiques au sein de l'échiquier politique national. C'est vrai, avec l'avènement des réseaux sociaux, chacun on a une certaine liberté non contrôlée de s'exprimer sur les questions de l'État. Et aujourd'hui même, c'est vrai, on va parler sur cette question de la sécurité de l'Est, que je considère comme une préoccupation nationale. Et sur cette question-là, je pense que nous, en tant qu'acteurs politiques, nous ne devons pas s'accrocher aux fibres du clivage, aux fibres de nos partis politiques, qui nous divise par moments sur un certain nombre de questions d'ordre politique, parce que moi je considère la question de la sécurité comme un débat national que nous devons faire sans clivage, sans tendance, sans décoration politique, surtout pas sans être attaché par ce que moi je considère une sorte de ségrégation politique, parce qu'au-delà de nos partis politiques, nous tous nous avons un dénominateur commun qu'on appelle le Congo. Et donc, sur ce genre de questions, nous devons élever les débats tout en faisant un débat patriotique, un débat nationaliste, parce qu'il va quand même à l'intérêt de notre
image en tant que pays, en tant que nation. Et donc j'invite effectivement toute la classe politique congolaise à faire un débat de l'altérité. C'est vrai, on a de points de vue différents, mais on peut aussi être en accord avec nos désaccords. C'est comme ça que je parle de l'altérité, la tolérance, le respect du point de vue de l'autre. C'est par là que nous allons rendre notre démocratie une démocratie de qualité. Merci beaucoup, Manik Sienda. Je rappelle la règle de l'émission. Vous n'interrompez pas votre co-débatteur. Vous le laissez poursuivre. Vous allez réagir quand vous aurez la parole. Rapidement, l'actualité en images. FARDC M23, que cache le gouvernement? L'épineuse question de l'occupation progressive de quelques localités dans le Nord Kivu par le M23 devient de plus en plus préoccupante, et ce, malgré l'état de siège remue-ménage au sein de l'état-major général des FARDC et la détermination des forces loyalistes de déloger ces forces négatives soutenues par le Rwanda. L'on ne sait quel jeu joue le gouvernement sur tous les dessous de cartes et la sonnette d'alarme que ne cesse de tirer le chef de l'État, Félix Tshisekedi, auprès de la communauté internationale. Décidément, la mobilisation populaire reste le seul moyen pour faire échec au projet de balkanisation de la RDC. C'est le point de vue de la rédaction. Voilà. Monsieur Henri Tshimalanga, je vous donne la parole en premier. La question qui nous est demandée, FARDC M23, que cache le gouvernement? Merci beaucoup pour la question, elle est tellement pertinente. Nous savons que c'est un fait. De prime abord, je vais soulever deux éléments ou deux faces d'une situation. C'est-à-dire qu'on a, pour une quelconque situation ou un engagement donné, nous avons la réussite et l'échec en termes de résultats. Et naturellement, on ne peut cacher que l'échec ou une défaite. Mais une réussite ne se cache pas. Elle s'annonce pour le plaisir de ceux qui se sentent concernés par la situation donnée. Alors ici, que cacherait le gouvernement dans cette situation-là? Je pense que le motif est un peu plus politique et surtout pour le besoin de la cause. Je comprends bien ce souci-là. Et cela va me retourner un peu en arrière. Hein. Vous savez, on a connu, non loin de cette législature, le phénomène Lambert Mende, qu'on a eu appelé Tchako National. C'est-à-dire, finalement, on ne comprenait pas c'était quoi. Donc, tout ce qui sortait de sa bouche, ça énervait finalement les Congolais. Se disait, mais lui, il est en train de mentir pendant que les choses se passent autrement. Et aujourd'hui, cet état des choses semble être un peu comme un petit besoin pour arriver à mieux gérer les Congolais. C'est-à-dire, il est vrai qu'on a besoin d'obtenir une mobilisation générale autour de nos FARDC et autour de la nation. C'est-à-dire la cohésion nationale est maintenant plus que nécessaire. Même le ministre des Affaires étrangères l'avait relevé à partir de New York. Il avait dit qu'on peut échouer partout, mais nous avons une arme très redoutable, c'est le peuple congolais. On a vu récemment le peuple congolais qui s'est attaqué à la MONUSCO et ça fait même reculer la communauté internationale à travers les Nations Unies, pour dire que reconnaître au moins qu'il y a faille, voilà, la RDC est agressée, du moins dans des termes un peu aussi légers que cela, mais néanmoins, ça fait reculer les gens. Hier, on a vu la mobilisation à Goma, le peuple congolais qui se mobilise. C'est même rendu à la barrière. Et je pense que ce comportement-là pourrait, il est susceptible, je crois, de faire reculer, en tout cas, le soutien de l'agresseur. Alors, le gouvernement... Quand vous dites que ce besoin-là de revenir un peu à ce que faisait Lambert Mende, qu'est-ce que vous voulez exactement dire? Tu sais, Dan, je me souviens sur TV5 Monde, le président Félix a dit ceci. À la surprise même des journalistes de TV5 Monde, il dit que... j'ai trouvé l'armée bien structurée. Et les journalistes se sont étonnés pour ainsi poser encore une autre question. Mais par qui? Il dit, mais par mon prédécesseur.
Mais maintenant, quand on lui pose encore une autre question pour dire que, mais, et tout ce que vous disiez contre Joseph Kabila, Félix n'est pas allé par le dos de la cuillère, il a dit que c'était le fait de la diabolisation. Ça veut dire ceci maintenant, en ce moment ici, on se rend compte que gérer une nation, gérer la République, ça ne doit pas être comme si on est dans une église où on veut se faire passer pour un pasteur. Vous voyez, de voir les choses du dehors, c'est pas forcément ce qu'on aura. On n'aura pas le même regard dès qu'on sera dans les affaires. Maintenant, tu vois que ça pose un problème. On dit non, mais il y a des journalistes qui sont en train de relayer tout ce qui se passe à l'Est, que ça soit vrai ou faux, il ne faut pas relayer les exploits de l'ennemi. Autrement dit, ça c'est pourquoi j'ai évoqué un peu le phénomène de Lambert Mende. Ça devient aussi, en quelque sorte, un besoin pour arriver à bien gérer nos populations. Parce que la guerre, elle a toujours des parties qu'on appelle des batailles. On peut perdre une bataille, on peut perdre une deuxième bataille, mais cela ne signifie pas qu'on aura perdu la guerre. Donc en perdant une bataille, on a encore tout le temps de se réorganiser pour aller à la reconquête et pour qu'au final, on puisse gagner la guerre. Donc, les FARDC auraient perdu peut-être une bataille, c'est pendant le cheminement. Donc, en quelque sorte, ceux qui critiquent l'action gouvernementale ont quand même tort parce qu'ils voient les choses de l'extérieur. Ils ont tort, mais au fait, ils n'ont pas tort. Parce que si le gouvernement n'est pas critiqué, vous voyez, le problème, c'est aussi, il y a une certaine dynamique que d'autant qualifierait une dynamique engagée pour amener l'actuelle gouvernance à un échec. Bon. D'une part, cela serait aussi, ça pouvait s'inscrire dans le cadre de, je peux dire même que c'est un peu la monnaie de leur pièce. Hein. Vous savez, on a connu des très longues années, sous Mobutu, de l'opposition, Laurent et Joseph. Et dans cette période-là, l'opposition ne nous avait jamais appris à faire des quelconques éloges sur une quelconque action des dirigeants passés. Merci. Beaucoup, mais maintenant, monsieur, cela poserait problème parce que c'est déjà devenu comme une habitude ancrée dans la population. Et maintenant, cela se révèle être très nuisible parce qu'on a besoin d'une certaine cohésion. Très bien. Merci beaucoup, monsieur Henri Tchimbalangabi. Je ne suis pas totalement satisfait sur la question que cache le gouvernement. Je pense que je reviens derrière vous. On va Manik Sinda. Manik Sinda, la même question. Quelle est votre analyse de cette question? Ben, moi, je pense que le gouvernement congolais n'a pas intérêt de cacher quoi que ce soit, surtout pas à sa population. Parce que si ce gouvernement est engagé dans le sens de pouvoir protéger la population et sauvegarder l'intégrité du territoire national, c'est pour un intérêt général. Vous savez, quand on parle d'un État, un État est conduit sur base des principes directeurs de l'État. On parle très souvent du principe de la continuité de l'État, le principe de la rédévabilité, rendre le compte de manière quotidienne à votre population, le principe de l'adaptabilité de l'État. Et donc aujourd'hui, je pense que l'État congolais doit faire un travail d'abord d'installer la confiance entre l'autorité publique de l'État et la population congolaise. Aujourd'hui, vous serez peut-être d'accord avec moi qu'il y a un problème de crise de confiance. Crise de confiance, pourquoi? Parce que la population congolaise sent à une certaine mesure une certaine contradiction des messages relatifs à cette situation de l'insécurité de l'Est et la contradiction entretenue par les officiels de la République. Tantôt l'armée qui vous donne un message, tantôt le chef du gouvernement, porte-parole du gouvernement qui vient, il vous dit autre chose, tantôt lui-même le président de la République qui s'inscrit dans une autre logique qui n'a rien à voir avec le gouvernement, qui n'a rien à voir avec l'armée. Je vous donne un fait. Le président de la République, il prend la parole dans un des médias internationaux. On lui demande de faire un bilan de l'état des sièges tel qu'est décrété. Il dit que voilà, le bilan est positif parce que l'état des sièges nous a permis d'augmenter les recettes. Donc, le peuple congolais qui regarde le président de la République tout en sachant que l'état des sièges a été décrété pour deux objectifs principaux. Un, établir ou rétablir l'autorité de l'État dans la partie Est. Deux, mettre fin à la guerre. Cette population, lorsqu'il regarde le président de la République, elle serait confuse. C'est ça, les débuts de la crise de confiance entre les officiels du pays et le président de la République. Disons, la population congolaise.
Vous savez, Dan, quand on parle de la guerre, aujourd'hui, moi je pense que la meilleure thérapie pour éradiquer ces fléaux de l'insécurité qui infestent la partie est de notre pays, c'est aussi le fait de compacter les différentes stratégies. Au-delà de la stratégie diplomatique, encore qu'il faudrait user de la diplomatie des défenses pour faire face dans ce contexte plus précis des guerres, il faudrait aussi tenir compte de la stratégie d'intégration communautaire, c'est-à-dire faire participer la population congolaise derrière son armée, entraîner la population avec des messages d'assurance, des messages de confiance pour que la population soit à même de soutenir, d'appuyer et d'accompagner son armée nationale au moyen des réseaux sociaux, au moyen des messages collectifs, des spontanéités citoyennes, ce qui n'est pas le cas. Je vous ai parlé des confusions entretenues entre les institutions de la République. Deuxième palier en termes de stratégie qu'on doit compacter. Apparemment, on a l'impression que l'opposition, vous êtes de l'opposition, vous n'êtes pas derrière le gouvernement. Vous n'avez pas assez de soutien envers le gouvernement qui est en train de mobiliser tous les moyens, l'énergie, les actions pour que la paix revienne. Vous, par contre, vous avez tendance à critiquer toutes les actions qui sont prises par le gouvernement. Non, mais vous parlez du gouvernement. Le gouvernement est un compartiment de l'exécutif national chapeauté par l'autorité pyramidale qu'on appelle le président de la République. Mais quelle est l'attitude du président de la République à l'égard de cette opposition dont vous avez fait allusion tout à l'heure? Il traite l'opposition de son pays comme une opposition faible, opposition à péter. C'est-à-dire, lui, président de la République, au regard des attributions qui lui sont confiées par la loi fondamentale, la Constitution, considérer le président de la République comme le gardien, les régulateurs des institutions publiques de l'État, le président de la République ne devrait pas jeter un discrédit sur l'opposition aussi institutionnalisée selon la Constitution de notre pays. Et là, le président de la République n'agissait pas en tant que président de la République, mais plutôt en tant que membre d'un parti UDPS connu de tous. Et donc, il faudrait que le président de la République essaye de rester dans son statut de président de la République parce qu'il est même président de l'opposition politique. Si déjà vous, président de la République, symbole de l'unité nationale, garant de bon fonctionnement des institutions de la République, le premier citoyen, père de la nation, vous tenez des propos désobligeants à l'égard de votre propre opposition, comment le président serait en mesure de tenir compte des propositions venant de cette opposition? Permettez-moi quand même sur cette question de faire une parenthèse. Vous savez, M. Tshisekedi confond les paysages politiques actuels à celui d'hier. Et je comprends pourquoi il saute sur cette conclusion qu'il s'agit d'une opposition à péter. Parce que l'opposition d'hier, avec ces multitudes de partis qu'il y avait, entre autres l'UDPS, etc. Mais c'était une opposition qui était composée à 90% de partis qui n'étaient pas au pouvoir et des partis qui n'ont jamais géré la chose au public de l'État. Premier réflexe, quand ils descendent dans la rue, c'est pour casser, c'est pour insulter, c'est pour jeter un discrédit sur les valeurs patrimoniales des institutions de la République. Alors qu'opposition d'aujourd'hui, encore une minute pour finir, cette opposition est composée à 80% des partis qui hier étaient au pouvoir. Je prends le cas de notre parti, l'ELGD. Vous imaginez l'ELGD descendre dans la rue, brûler le bus Transco? On ne le fera pas. Pourquoi? Parce que Transco, Congo Airways et tous ces édifices font partie des actions dans l'actif de notre gestion en tant que parti. Et ça, on ne le fera pas. Et donc, l'opposition d'aujourd'hui s'appuie sur le levier de communication politique. Nous, nous faisons les débats des gouvernances et non descendre dans la rue pour casser. Et donc, au président de la République, le message est très clair. L'opposition d'aujourd'hui, elle n'est pas si faible comme vous le pensez. Et donc, aujourd'hui, la conclusion, elle est telle que il y a un problème, des crises de confiance. Mm-hmm. Il faudrait que le président de la République tienne compte de stratégies de communication nationale. Parce que dans un contexte de guerre, dans un contexte de conflit armé, il faut adapter la politique des communications par rapport à la situation. Est-ce le président de la République a consulté, s'il vous plaît, c'est très important ce point, 30 secondes, est-ce que le président de la République a consulté le média le plus influent du pays, ne serait-ce que pour leur donner les éléments de langage? Comment nous percevons la réalité de la guerre? Comment nous regardons le Rwanda comme un État agresseur? Est-ce nous avons levé l'option de considérer le M23 comme un groupe armé, un groupe rebelle ou encore un groupe terroriste? Comment le média se comporte en temps de guerre par rapport à la situation de l'insécurité de l'Est?
Est-ce le média peut accompagner ou peuvent accompagner le gouvernement congolais, ne serait-ce que dans le cadre de faire le lobby du génocide congolais, qui est plus nocif que le génocide rwandais? Merci beaucoup. Alors que dans la sphère du média national, tout comme international, on nous présente le génocide rwandais donc, comme le génocide le plus grave. Je reviens. Ça, c'est une fausseté. Et donc, il faut un très grand travail en termes de compacter les stratégies. D'accord. Et c'est le président de la République qui doit le mener. Merci beaucoup, Manix Yenda. En tant que commandant suprême. Je reviendrai vers vous incessamment. Monsieur Henri Tshibalanga, votre co-débatteur a relevé les faits du fait que cette communication n'est pas assez encadrée en temps de guerre. Nous avons les médias nationaux, les médias officiels, la RTNC, tous ces médias, radio, télévision, ACP, tous ces médias, on ne sent pas une communion autour de cette question de guerre. Cela est également une faiblesse des dirigeants. On peut se dire ça comme ça également. Oui, je pense que d'abord, à ce point-là, quoique, quand on voit même ce qui se passe partout ailleurs, mais ici, dans notre cas, nous voyons les militaires qui sont au front. Mais qui sont ceux-là qui nous renvoient les éléments de l'état ou de leur avancement ou de leur situation là-bas? C'est eux-mêmes les militaires. Et ils le font comme ils voudront. Et pourtant, je pense qu'à ce niveau-là, pourquoi, je m'excuse, le gouvernement ne peut pas organiser cette communication-là, recruter ou engager des bons communicateurs. Mais la communication au sein de l'armée est déjà structurée. Il y a le porte-parole de l'armée, il y a ses adjoints, il y a une cellule de communication. Quand ils parlent, c'est la voix de l'armée qui parle. Mais écoutez, nous voyons... Vous voyez les vidéos qui circulent sous les réseaux sociaux avec des militaires qui se plaignent de manque de certaines choses. Mais ça pose un sérieux problème, tout cela. Et si on doit revenir, avant de continuer d'abord dans ce questionnement-là, vous avez dit tout à l'heure là que vous n'étiez pas satisfait de la réponse donnée à cette question-là que cachait le gouvernement. Prenons un peu les choses. Est-ce que réellement, déjà, il y a quelque chose qui est caché? C'est cette impression. J'ai dit que c'était pour le besoin de la cause. La politique, c'est au fait la gestion des personnes et de leurs biens dans un espace donné qu'on appelle un territoire, qui en forme ainsi une nation. Parce que la nation, il faut deux choses. De notions. Il y a les populations qui sont l'élément premier, qui se retrouvent dans un espace donné. Et maintenant, s'il faille que le gouvernement accepte de nous rendre les faits tels que ça se déroule, parce qu'en temps de guerre, tout devient autrement. Nous savons que nous, les journalistes, nous sommes tenus à obéir à un principe sacré, la sacralité des faits. Et les commentaires en sont libres. Mais en temps de guerre, on essaye un peu d'adapter les choses, même la communication. Manix l'a dit, on adapte à la circonstance parce que, un, on a besoin d'une mobilisation générale. On a besoin d'une cohésion autour de nos frères qui sont au front. Mais si on commence à relayer comment ils tombent pendant une bataille, j'ai dit ici tout à l'heure qu'on peut perdre une bataille et non pas la guerre. Pendant une bataille donnée, on relaye tel que ça s'est passé. Comment nos frères, nos éléments en uniforme sont tombés? Vous pensez que les autres qui sont ici, qui sont appelés à aller renforcer là-bas, peut-être qu'ils n'iront pas, leurs femmes vont refuser, les enfants vont refuser. Ils peuvent même arriver à leur dire non, 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 quittez cette armée. Parce que ceux qui sont là-bas, ils disent qu'ils n'ont même pas de matériel. Maintenant, ils n'ont pas aucun dégoût. Vous voyez, pour le besoin de la cause, on devient obligé, le gouvernement devient obligé de prendre les tristes réalités là, de mettre un peu de côté et d'essayer de soigner la communication, ne serait-ce que pour essayer de garder cette flamme-là, pour arriver toujours à avoir cette mobilisation autour de l'action gouvernementale en ce moment ici. Parce qu'il est vrai que en ce moment pareil, on doit un peu aller au-delà de clivage politique. Mais aussi, je comprends ce que Manix relève ici. Et moi-même, j'irai un peu plus loin que lui. Comment expliquer qu'il y a un besoin pressant autour de la nation, la cohésion nationale? Mais quelque part, il y a des gens qui passent dans des médias. Et chose grave, ils se présentent au nom du président de la République. Il y a une dame qui passe partout. Je suis la petite sœur du chef de l'État. Et qu'est-ce qu'elle débite? Est-ce que ce qu'elle débite là, si on vous amène une interprétation, parce qu'il y a des injures en Tshiluba, mais vous n'allez pas dire ça à vos enfants? Même moi, je ne saurais pas vous interpréter. Je suis Luba. Vous interprétez ces injures-là pour ne serait-ce que le respect de votre personne humaine. C'est affreux.
Il y a un autre qui se dit porte-parole privé du chef de l'État. Il y a un autre sur place qui se dit communicateur Yamuko Antombolo. Mais qu'est-ce que ces gens-là débitent? Et quelle en est la portée, la conséquence dans la population? Les gens en sont vraiment blessés. Et du fait qu'on n'arrête pas, on ne stoppe pas ce comportement-là, qu'est-ce que les Congolais peuvent conclure? Que voilà donc le président, il trouve son compte. Même s'il n'en est pour rien, mais étant donné que ces gens-là parlent en ton nom, président de la République, Mukwantombolo, et vous laissez ces gens-là être comme des intouchables. Mais je pense que cela va aller empêcher, va menacer cette cohésion-là, qu'on se le dise. Vous voyez? Donc moi je pense que le président de la République ne doit pas négliger même des petites choses, qui sont peut-être petites choses, en les regardant, mais dont les conséquences et les répercussions, qui font même reculer. Vous pensez que ceux qui sont dans l'opposition n'ont pas les frères là-bas? Ils en ont. J'aimerais vous présenter quelques propositions d'Adolphe Mozito, qui a dit qu'il faut soutenir l'unité, les forces vives et les FARDC qui se battent au front contre le Rwanda. Ne négocier ni avec le Rwanda, moins encore le M23, mais avec leur maître, et dénicher, exfiltrer tout, dans toutes nos institutions, nos forces de défense et dans notre armée. Que pensez-vous de ces propositions d'Adolphe Mozito? Je pense que c'est... Bon, ce sont des propositions, mais nous sommes devant une situation qui impose des grandes stratégies. Vous voyez, tout ce qu'il dit là, ce n'est pas du nouveau. Ça se raconte partout, ainsi de suite. Mais ici, il est question que vous avez des éléments qui sont sur terre. Vous avez ceux-là que tout le monde qualifie d'être le maître de nos agresseurs directs. Ça veut dire que ce sont les maîtres qui sont en réalité auteurs de cette agression. Donc, on ne peut pas dire que négocier seulement avec les maîtres et puis ainsi de suite. Non, il faut prendre le problème dans la globalité. Vous voyez, à ce sujet-là, selon moi, je pense qu'il était question de rassembler tous ceux qui ont eu à gérer cette question-là. Pourquoi ne pas appeler d'abord Kabila? C'est un militaire. Il a géré cette situation de l'Est. Il a eu même à défaire les M23. Et comment les M23 sont-ils revenus et ils ont refait surface? Peut-être en voulant aller sous un autre angle, et maintenant ça a glissé. Donc je pense qu'il faut réunir et rapprocher tout le monde. Il s'agit de la patrie. D'accord. Merci beaucoup, M. Henri Tshibalanga, Manix Yenda. Je vous repose encore la question. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que justement l'opposition se mette derrière le président de la République? Qu'est-ce qu'il doit être fait au niveau de l'exécutif pour que vous, l'opposition, vous teniez l'exécutif dans cette démarche de guerre? Tout à l'heure, Monsieur Dan, je vous ai parlé de cette façon de compacter les différentes stratégies. Au-delà de la stratégie diplomatique, la stratégie politique, la stratégie militaire, il faudrait aussi intégrer la dimension de la communication politique. Je l'ai dit, il faut adapter notre communication nationale au travers les enjeux d'ordre sécuritaire de l'heure. Parce que vous savez, un pays, un État qui n'a pas de médias forts, c'est un État prenable, c'est un État manipulable. C'est en ce moment qu'il faudrait renforcer nos stratégies nationales, parce qu'il faudrait faire un lobby au niveau de la nation pour installer la confiance entre la population vis-à-vis de dirigeants de notre pays. Ça, c'est important, parce que la guerre psychologique, elle est aussi installée aussi longtemps que le peuple n'est pas rassuré des parts. Ces modèles de gouvernance sécuritaire proposés par le dirigeant de notre pays. Je reviens un tout petit peu sur les différentes propositions faites par Adolphe Mozito, comme vous venez de le dire tout à l'heure. Oui, oui. D'abord, de un, il dit qu'il ne faut pas négocier avec le Rwanda, non plus avec le groupe armé M23. Il faut aller au-delà. Attention, vous savez, quand on est dans un contexte de conflit, et c'est parmi même des impératifs, dans le cadre de relations internationales, de relations entre les États, il n'y a que deux réalités. Soit vous négociez, soit vous faites la guerre. Si vous ne négociez pas, vous faites la guerre. Si vous ne faites pas la guerre, vous négociez. Et aujourd'hui, tout est tellement clair que le président de la République a tenté toutes les manières possibles pour, effectivement, les voies diplomatiques, tout en, bien entendu,
pour négocier avec les Rwandais, mais ça n'a pas marché. Tantôt le Rwanda qui pose le problème des FDLR, tantôt la RDC qui considère le Rwanda comme un état instigateur du groupe M23, et personne n'en arrive à accepter sa responsabilité par rapport aux agressions faites au niveau de l'Est de notre pays avec des conséquences réelles, parce qu'il y a des Congolais qui sont morts. Mais de l'autre côté aussi, parce que moi j'endosse beaucoup plus des responsabilités sur le gouvernement congolais en commençant par le président de la République, parce que lorsque nous sommes par exemple dans le concert des nations, je me demande pourquoi du haut de la tribune des Nations Unies, le président de la République n'a pas évoqué le principe de la licéité de la légitime défense prévu même dans la charte des Nations Unies. Pourquoi au niveau national, le président de la République n'a pas fait allusion à l'article 84 de la Constitution qui lui donne le pouvoir constitutionnel de décréter la guerre? Parce que là, il s'agit de confrontations entre deux États, la RDC et le Rwanda. Pourquoi la République démocratique du Congo n'a pas intenté des actions au niveau de la justice internationale pour endosser la responsabilité du Rwanda? Vous êtes de ceux qui pensent que nous devons faire la guerre. Non, mais si nous n'avons pas réussi avec les moyens des négociations, alors faisons la guerre. Parce que nous devons préserver à tout prix l'intégrité du territoire national. Vous savez, mon frère Dan, je vous ai parlé des relations entre les États. Si ça ne négocie pas, on s'affronte, on fait la guerre. Mais attention, la RDC doit s'apprêter avant de faire la guerre. La RDC doit renforcer sa capacité intérieure. Parce que vous savez, il y a même un sociologue, Max Weber, qui définit l'autorité d'un État comme une sorte de capacité de pouvoir imposer sa volonté à l'égard des États tiers. Mais qu'est fait la RDC en ce moment? Mais en attendant de reformer cette sécurité, la guerre, réformer l'armée, qu'est-ce qu'on peut faire en attendant cela? Non, mais il faut tirer les conséquences. Vous savez, commençons d'abord à nous poser une question. Quel est l'intérêt du Rwanda à s'aimer la menace sur le territoire congolais? Réponse directe, exploiter les ressources naturelles de notre pays afin de booster son économie nationale. Deuxième question, qu'est fait la RDC pour préserver ses richesses à l'égard des États voisins? C'est là où s'établit la responsabilité de notre pays pour protéger son pays face à la convoitise extérieure. Oui, vous avez autant de richesses, autant de ressources naturelles. Mais il est tout à fait normal que les États qui nous entourent utilisent une sorte de convoitise et ils peuvent utiliser tout le moyen possible pour semer la terreur sur le territoire congolais afin de se retrouver. Si vous étiez président de la République, pour finir, hein, vous étiez président de la République en ce moment même, Mani Sienda, quelles sont les grandes décisions que vous prendrez aujourd'hui même? Mais moi, je vous ai dit, il faudrait commencer par créer la guerre. Le Rwanda nous inquiète. Nous devons inquiéter le Rwanda. Rapport de force. Deuxième degré de responsabilité, pourquoi ne pas intenter une action en justice? Parce qu'il y a des instances judiciaires internationales qui existent. Parce que la RDC ne se contente que de certains rapports qui ne sont surtout pas validés et entendus au niveau de l'ONU, reconnus au niveau de l'Union africaine comme organisation régionale. Okay. Parce que la RDC doit faire tout pour préserver la sécurité de ses frontières et protéger la vie de Congolais. Et donc, aujourd'hui, moi, je pense qu'il faut tenir compte de tous les aspects possibles. Je vous ai dit, il faut intégrer la dimension de communication, la dimension militaire, la dimension de service des renseignements, la dimension diplomatique, la dimension politique. Merci. Et il faudrait même infliger des sanctions économiques si possible. Au Rwanda, comme on le voit, entre dans le conflit russo-ukrainien. Mais bien sûr que oui, la guerre a plusieurs dimensions. D'accord. Parce qu'avec le Rwanda, nous avons une histoire qui remonte de très loin. Et donc, il faudrait tirer les conséquences aujourd'hui. Merci beaucoup, Manix Yenda. Henri Tshimbalanga, la réaction du ministre adjoint des Affaires étrangères rwandais, qui dit « C'est une décision spectaculaire qui, au fond, ne résout aucun problème qui date de plusieurs années. » La décision d'expulser Vincent Karega. Bon, oui, hein, c'est au fait, dans le fond, ça ne résout pas le problème, mais c'est seulement, il faut prendre ça pour le compte d'une expression ou des mesures de rétorsion pour dire que voilà, vous n'êtes pas sincère envers nous, alors on doit par moment d'abord stopper cette collaboration avec le Rwanda et la RDC.
Mais dans le fond, ça ne résout pas le problème. Alors, Non, il a raison. Bon, au fait, parce que dans le fond, ça ne résout pas le problème. Je voudrais un peu rebondir un tout petit peu à ce que Manix a dit. Je pense qu'il était normal que tout Congolais s'attende à ce que vous voyez le président déclarer la guerre au Rwanda. Mais une guerre ne peut pas être déclarée aussi vite ou vaille que vaille, ou en termes de respect des principes ou de formalisation d'une quelconque, je peux dire, d'un quelconque leadership, sinon vous pouvez tomber. Parce que tenez, je pense qu'il faut noter que la guerre a deux principaux majeurs mobiles. Soit elle est pour des motifs sécuritaires, soit des enjeux économiques. Les États-Unis, par exemple, ont toujours dit que la sécurité des États-Unis se joue à l'extérieur. C'est pourquoi s'il faudrait attaquer, aller en guerre quelque part pour des raisons sécuritaires, les États-Unis s'engagent. Nous, ici, on a par exemple Poutine qui est en guerre contre l'Ukraine pour des raisons sécuritaires. Il constate que l'Ukraine qui adhère à l'OTAN, les États-Unis viendront installer leur base militaire juste là-bas, à côté. L'Ukraine qui est un ancien territoire de la Russie. Alors, pour le cas de la RDC, pourquoi je dis que le président de la République n'avait pas cette facilité de déclarer aussitôt? D'abord, le Rwanda qui nous attaque, qui se retrouve sur notre sol, évidemment, il a cette mission-là au regard ne serait-ce que de la prestation de serment qui est constitutionnelle, de défendre l'intégrité du territoire national. Et l'intégrité ne se défend qu'au travers les FRDC. C'est ça la mission première de nos forces militaires. Maintenant, devant cette réalité-là, avant de se lancer dans une guerre, on doit relever l'état de l'armée, quelle en est la logistique par rapport à l'ennemi qui vous attaque. Parce qu'il y a des techniciens d'état-major ou des brevetés d'état-major qui sont habilités à faire ce travail-là. Et comprendre que l'ennemi a tel type d'armes, l'ennemi a autant d'hommes, ainsi de suite, pour maintenant mettre sur la table du président de la République. Et au-delà de cela, il y avait des enjeux. La communication déjà du secrétaire général des Nations Unies déjà fait quand même assez réfléchir. Mais je suis dans cet ordre-là. Quand il dit que l'armée des ennemis du M23 est une armée vraiment moderne, sophistiquée, qui est vraiment adaptée. Oui, je pense que je suis un peu en train d'arriver à tout cela. Et étant au parfum de cette réalité-là, Félix Tshisekedi s'est lancé d'abord dans ce ballet diplomatique-là. Il est aussi vrai qu'il faut reconnaître que sur le plan international, nous avons échoué à obtenir ne serait-ce que cet appui-là, qui devrait être d'abord un appui militaire, parce qu'il s'agit d'une guerre militaire, d'une agression militaire. On a constaté tous que l'agresseur a des soutiens sur le plan international. Il se rabat sur le plan sous-régional. Malheureusement, sur le plan sous-régional, ça devient encore beaucoup plus compliqué. Ce sont des complices de l'agresseur qui ne disent pas leur nom. Et finalement, il y a Museveni qui dit que non, nous, on ne peut pas venir aller se battre pour un autre pays. Pour finir, qu'est-ce que vous feriez entre-temps? Vous feriez quoi entre-temps? Entre-temps, il faudrait chercher à doter nos forces armées de cette capacité-là. Parce que si on doit seulement se résumer à dire qu'on est sous un régime, je ne sais lequel, Kabila était sous ce régime-là. Mais comment nos éléments ont eu à défaire le M23 militairement? Bien que Goma a été récupéré par la voie des négociations, mais c'était aussi du fait que... Donc, vous êtes aussi de ceux qui pensent qu'il faut... La solution n'est que militaire, pour le moment. La solution, elle est militaire par rapport à nous-mêmes. Parce que nous sommes entourés des complices. On a vu, pour terminer... Vous vous souviendrez, l'Angola, qui par moments, je suis comme tenté de ne pas croire en la sincérité du rôle que joue l'Angola par rapport à la RDC. Quand Félix était parti en Angola,
Mais Kagame, il ne s'y était pas rendu. Lui qui est le problème. Mais il exige au téléphone qu'on lui rende d'abord ces deux militaires qui étaient en captivité si chez nous. Et Joao a convaincu Félix. Et Félix a rendu ces deux éléments-là. D'accord. Mais nous qui perdons beaucoup, qu'est-ce qu'on a exigé à Kagame de là, est-ce qu'on on lui a exigé clairement de lâcher les positions occupées? Donc ce que vous voulez dire en d'autres termes, c'est que notre armée n'a pas assez d'équipement militaire, c'est ce que vous voulez dire? Mais on a suivi une vidéo là, ce sont des militaires qui le disent. On va y revenir. Manik Sienda, que pensez-vous de la position des États-Unis qui dit « Le Rwanda doit cesser son soutien au M23, de même le pays de Tshisekedi doit cesser son soutien au FDLR » pour que la paix revienne dans la région des Grands Lacs. Comment comprenez-vous cette position des États-Unis d'Amérique qui, en même temps, condamne le soutien rwandais dans cette question de guerre? Non, mais on veut tout simplement nous imposer un schéma, le schéma de l'Occident, qui ne correspond surtout pas à la logique de la RDC. Parce que la RDC ne se reconnaît pas comme un État agresseur vis-à-vis du Rwanda. C'est plutôt l'inverse qui est possible. Et les conséquences de ces guerres-là sont là. Combien de fois la MONUSCO a fait de rapports sur les effets nocifs de l'agression dans la partie Est dont le Rwanda était responsable? Mais moi, je crois aujourd'hui, les États-Unis jouent le jeu de passivité, le jeu de complaisance. On veut contraindre à la RDC de négocier avec le Rwanda. Est-ce si nous essayons d'aller un peu dans cette logique? Que la RDC, à une certaine mesure, inquiète aussi le Rwanda de par la voix des FDLR. Est-ce les menaces des FDLR sur le sol rwandais sont le même par rapport aux menaces du M23 sur le sol congolais? Je dis non. Et la communauté internationale le sait très bien. Pourquoi faire ce jeu de complaisance? Si en cela que je reviendrai, peut-être dans la logique de mon co-débatteur lorsqu'il disait que l'agresseur aujourd'hui a une certaine sympathie de la communauté internationale. Et du coup, la RDC se positionne comme un État isolé au sein de concerts de nations. Ça, c'est un problème. D'où il faudrait revenir vers les stratégies nationales, renforcer l'armée, parce qu'on nous dit toujours qu'il veut la paix, prépare la guerre. Nous avons une armée et c'est à cette armée de faire son travail traditionnel de sauvegarder l'intégrité du territoire national. Permettez-moi quand même de revenir sur un élément. Mais cette armée, avant de vous revenir sur cet élément, mais cette armée qui, entre guillemets, serait pas assez équipée pour faire face à CM23. Non, mais la question... Comment on peut s'attendre à des résultats? Mais la question de l'équipement de l'armée relève de l'apanage du gouvernement. Vous savez, pour qu'on parle d'une armée forte, il y a au moins trois indicateurs qui entrent dans la ligne de compte. Le premier, c'est l'effectif militaire. Et sur la question de l'effectif militaire, je pense que la RDC a des acquis que nous devons préserver à bon escient parce que nous avons un effectif qui va au-delà de l'armée rwandaise qui n'a à peine que 33 000 militaires. La RDC a un effectif de plus de 150 000 militaires, cinquième en Afrique après l'Érythrée, après le Soudan du Sud, après le Maroc, après l'Égypte. Ça, c'est un acquis que nous devons préserver. De deux, le deuxième indicateur, c'est le budget. Il faudrait allouer un budget conséquent pour doter à l'armée congolaise les matériels nécessaires, les équipements de guerre, acheter des avions de guerre, des hélicoptères de guerre pour faire face à l'agression armée contre la RDC. Et le troisième indicateur, c'est la formation. Et je pense que sur le plan de la formation, Joseph Kabila a posé quand même de bonnes bases. Mais donc, en ce qui concerne le budget... Ça s'écrit sous le long terme, c'est toutes ces réformes. C'est sous le long terme. Non, mais écoutez, aujourd'hui, il y a quand même l'école des défenses. Il y a autant de structures. École supérieure d'administration militaire, ça existe. Et faux, ça existe. Joseph Kabila a posé quand même un certain nombre de bases en ce qui concerne le volet formation. Et ça, nous devons le capitaliser et maintenir en termes de continuité de l'État. Mais par rapport au budget, ça pose problème parce que si nous n'avons pas le moyen financier, ce serait très difficile d'accompagner notre armée. Vous imaginez, dans le programme Samalou Kondé, la rubrique budgétaire réservée à l'armée congolaise a été évaluée en termes de 567 millions de dollars. Mais l'argent qui a été décaissé à peine... On parlait des 189 millions de dollars qui a servi à toutes les dépenses courantes relatives aux besoins de l'armée congolaise. Mais bien sûr que oui. C'est-à-dire, aujourd'hui, le pays est en deçà du standard moyen d'un État capable d'avoir une armée équipée et capable de faire la guerre contre l'agression étrangère.
Ça, c'est un problème. Mais je voudrais revenir un peu sur cette question de l'infiltration. Vous savez, entre la RDC et le Rwanda, l'histoire remonte... Infiltré au sein des institutions politiques et même au sein de l'armée. Mais bien sûr que oui. Et cela se justifie à travers des faits aussi probants, des faits évidents. Parce que aujourd'hui, dans l'origine de cette infiltration, nous pouvons définir la relation de la RDC et le Rwanda sur base des trois grandes dates. La première, c'est la date de 1935, lorsqu'il y a eu grogne sociale au Rwanda. Et qu'est-ce qu'a fait le colon belge de l'époque? C'était bien avant le 30 juin 1960. Oui. Il a intégré une bonne partie de la population rwandaise sur le sol congolais en créant ce qu'on appelait à l'époque la MIP, la mission d'intégration des Banyarwanda, avec l'intention, même si dans la forme on avait présenté l'intérêt humanitaire et les raisons d'hospitalité, mais dans la forme, le colon belge voudrait utiliser le Rwandais comme la main-d'œuvre locale dans le service public de l'État, la route, l'infrastructure, l'industrie congolaise de l'époque. Et les Rwandais, en travaillant dans les différents services publics vecteurs du développement du pays, ils ont été influents. Deuxième date, c'est la date de 1994, les génocides rwandais, la guerre entre le Tutsi et les Hutus. Il y a eu un flux migratoire de Rwandais sur le territoire congolais. Et enfin, la troisième date, c'est justement la date de 1997, l'avènement de AFDEL, avec Mzee Laurent-Désiré Kabila, qui déjà a été sous-traité par le gouvernement rwandais en termes des éléments militaires, mais aussi en termes de force humaine. On lui a tout donné. Il est venu avec James Kabarebe, sujet rwandais, mais qui a été à une certaine mesure, à une certaine période, le chef d'état-major de notre armée. Ça, c'était une sorte d'infiltration qui déjà avait pris racine tant au niveau de service public de l'État, au niveau de l'armée, mais aussi au niveau politique, parce que Mobutu, après son coup d'État de 1964, il a tenté d'organiser les élections législatives en 1970. Il l'a organisé en 1971, mais il y a une frange de communautés rwandaises qui voudraient à tout prix faire partie de notre Parlement congolais. Et aujourd'hui, même quand vous regardez la configuration du Parlement congolais, il y a des sujets rwandais qui sont là. Même dans le gouvernement, il y a des sujets rwandais qui sont là. Dans l'appareil judiciaire, il y a des sujets rwandais qui sont là parce que les Rwandais ont créé des ramifications souterraines. D'accord. Du fait qu'ils étaient sur le sol congolais depuis 1935, il y a beaucoup qui étaient dans les différentes universités du pays. Je reviens vers toi. À Goma, à l'université de Kisangani, à l'université de Lubumbashi, mais aussi à l'université de Kinshasa. Et donc aujourd'hui, il faudrait faire un travail d'étoilettage pour dégager et extirper ces infiltrés dans les différents services publics de l'État, autant pour l'armée, afin d'avoir une armée fiable. Merci beaucoup, M. Manisienda. M. Henri Tshibalanga, comment comprenez-vous cette réaction du docteur Mukwege qui dit l'occupation de Rutshuru et Kiwanja, c'est une illustration de l'échec de l'état de siège, de la gouvernance sécuritaire et de la diplomatie régionale du pays. C'est un échec de la gouvernance. Pendant que votre co-débatteur parlait vraiment d'une situation qui s'est ancrée pendant plusieurs années avec beaucoup d'éléments, beaucoup de périodes marquantes. Je l'ai dit au début là qu'on n'a que deux choses en termes de résultats dans la gestion d'une situation aussi sensible que ça. Il y a l'échec ou la réussite. Mais quand vous voyez déjà qu'on vient d'occuper une partie du territoire national et qu'avant cela, ça a été précédé par une démarche diplomatique au niveau international et sous-régional, et que finalement, on se rend compte que ce que nous pouvons vivre de nos yeux, c'est l'occupation progressive du territoire national. Ça n'a pas un autre nom. Ça voudrait dire qu'exactement... Il y a un échec. Il y a un échec. La diplomatie... Votre débatteur tantôt parlait d'une situation qui date de plusieurs années, notamment les périodes qui ont marqué cette... comment dire, cette infiltration, cette présence massive des Rwandais, ce couloir-là, il y a des éléments, des périodes... Tout à fait. Lumumba, en 1960, Patrice Emery Lumumba déclare ceci, le complot pour la balkanisation contre la RDC est déjà mis en marche. Ça veut dire, en 1960, avant même que Mobutu n'accède au pouvoir, avant les Kabila et les Tshisekedi, donc c'est une situation qui vient de très loin parce que les enjeux sont simples, ce sont des enjeux économiques. Vous vous rendrez compte que à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, les États-Unis déclarent le coltan
étant une matière stratégique. Le coltan congolais. C'est-à-dire, depuis cette époque-là, les puissances savent que nous avons des enjeux. Nous avons un pays à protéger. Nous avons un pays sur lequel nous devons maintenir notre domination. Ça va même au-delà de 1935. Ça va de très loin. Et nous qui sommes propriétaires de ce pays, en tant que Congolais, vous voyez, cette situation-là va au-dessus de nos têtes. Parce que nous n'en avons pas assez de moyens pour faire face à l'impérialiste. Vous voyez, donc, il n'a pas tort de remonter en arrière. Mais qu'à cela ne tienne, nous devons se battre pour obtenir le minimum de résultats. C'est-à-dire, pendant que maintenant, il y a des Congolais qui n'ont plus d'espace, leur espace où ils vivaient jadis, maintenant, ils sont en ballotage. Ils sont dans la brousse, ils sont partout avec les enfants, et ainsi de suite. C'est cela maintenant qui devient un sérieux problème. Parce que tous ceux qui sont derrière cette guerre-là, parce qu'il y a des enjeux économiques, nous avons un sous-sol qui est maîtrisé. Mais on ne peut pas quand même tout mettre sous le dos du gouvernement actuel ou de l'exécutif. On ne peut pas quand même dire que c'est entièrement de leur faute. Non, dire entièrement, ce sera un peu injuste. Mais néanmoins, le gouvernement actuel doit tout faire pour nous donner aussi sa part de choses en termes de solutions, en termes de résolutions. On a vécu avec Mobutu, sous Mobutu. Il y a des choses qu'on ne vivait pas. On a quand même connu un temps relativement long d'unité nationale. Les Rwandais, là, comme ils le disent, ils étaient à l'Union. Nous, on a vécu avec, on a grandi avec, on a des amis rwandais, on a grandi avec au Katanga, on les appelait Barundi. Mais sans savoir qu'est-ce que cela voudrait dire dans le fond. On a connu des amis comme ça. Et à l'époque, on ne savait pas qu'un jour, on aura des sérieux problèmes avec eux. Mais c'est à la longue, sous l'entrée de l'AFDEL, qui nous a fait comprendre que il y a des sérieux problèmes. Et quand ils sont partis, les Américains ne voulaient pas entendre Laurent Désiré Kabila dire que nous sommes agressés par les Ougandais et les Rwandais. Les États-Unis disaient à Laurent Désiré que mais non, vous n'aimez pas la démocratie. Mais Laurent Désiré qui leur rétorquait dit mais ceux-là qui nous agressent, est-ce qu'eux, ils ont la démocratie chez eux? Mais pourquoi nous qui sommes agressés, vous nous parlez de la démocratie? Et maintenant eux, qui ne sont pas démocrates, parce qu'ils ne peuvent jamais parler à Kagame de la démocratie. Ils ne peuvent jamais parler du roi de l'Arabie Saoudite, de la démocratie. Il y a toutes les violations des droits humains là-bas en Arabie Saoudite. Mais étant donné que les États-Unis ont des intérêts géostratégiques là-bas, vous trouvez en Arabie Saoudite 10 bataillons des commandos américains installés là-bas pour garder leur influence dans la sous-région. Alors, ils n'ont pas le temps d'aller voir ce que font ces gens-là en termes de violations des droits de l'homme. Mais nous, ici, tu vois, ils nous regardent sous cet œil-là. C'est comme si, pour eux, le Congolais, il n'est pas encore mûr, il n'est pas digne de vivre de ses propres minéraux, de ses propres richesses. Alors, c'est l'infiltration, c'est une situation organisée. D'accord. Et mais qui change de position, mais avec le même objectif. Cette histoire ici, vous vous souviendrez, il y avait même une erreur commise par l'UDPS sous le Sphinx. D'accord. Quand il y avait des problèmes entre Joseph Kabila, pour chuter là, Étienne avait signé l'alliance avec le RCD pour, c'était à Kigali, pour le AS1 ou D, Alliance pour la sauvegarde du dialogue. Mais c'est ce dialogue-là qui nous a amené tous ces Rwandais légalement dans l'armée. C'est tout le monde, les chasseurs, ils sont généraux. C'est à partir de ces accords-là qui sont venus de Sand City. À Sand City, il y avait une délégation des officiers rwandais, des officiers militaires rwandais. Donc l'infiltration était planifiée pour le besoin de la cause. Maintenir la RCD, qui visiblement devrait être un géant dans la région, en Afrique même, mais nous maintenir dans une position telle que nos richesses soient, Sarkozy l'avait dit ici, vous devez accepter de partager vos richesses avec les... Pourquoi? Et si on n'en avait pas nous? Est-ce qu'ils allaient accepter que nous allions aussi exploiter là-bas, chez les Rwandais? Merci beaucoup. Manikine, est-ce que les élections... Élire un nouveau président, avoir des nouveaux dirigeants, peut être une partie de la solution à ce problème. Mais si seulement le nouveau président tiendrait compte des erreurs du président Tshisekedi aujourd'hui. Parce que l'un des grands péchés de Tshisekedi, c'est le fait d'hériter le pouvoir sans faire le diagnostic.
Tshisekedi a hérité des problèmes, autant de problèmes et dans tous les secteurs de la vie nationale, mais sans mettre en œuvre de politique de toilettage afin d'assainir l'espace politique, l'espace sécuritaire, l'espace économique pour diriger le pays vers sa propre direction. Conséquence logique, Tshisekedi aujourd'hui tire les conséquences. Foncièrement, ce n'est pas totalement de sa faute aussi, c'est une non, mais c'est un héritage. Non mais c'est lui qui dirige le pays aujourd'hui. Tshisekedi doit diligenter le modèle diplomatique, le modèle sécuritaire par rapport à sa vision. Regardez, on parle tout à l'heure des États-Unis d'Amérique comme le partenaire légendaire de la République démocratique du Congo, autant pour le Rwanda, même si les relations entre le Rwanda et les États-Unis d'Amérique, on comprend que c'est une relation d'équilibre en termes des avantages, parce qu'à une certaine mesure, le Rwanda était membre non permanent au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies grâce à l'appui des États-Unis d'Amérique, et même avec la France. Vous imaginez la RDC, le deuxième pays au monde, le deuxième pays francophone. Mais aujourd'hui, l'Organisation internationale de la francophonie, dirigée entre les mains d'un État anglophone, le Rwanda, grâce à son lobby et ses relations diplomatiques avec le français. Mais qui sont réellement le partenaire de la RDC, les partenaires sincères? C'est comme ça que je vous dis, Félix Tshisekedi avait la mission, normalement, de changer le paysage diplomatique. C'est-à-dire, le Rwanda, que les États-Unis utilisent comme un pont pour atteindre le sol congolais, il faudrait que Tshisekedi coupe ses ponts afin de traiter avec les États-Unis de manière directe. Un peu comme Mozito le dit. Mais justement, il faudrait couper parce que plus le Rwanda est servi comme pont, plus le Rwanda va tirer des dividendes. Tout à l'heure, mon co-débatteur vient de parler d'une guerre économique. Il y a là les multinationales qui s'installent, qui se retrouvent. Il y a là les grandes puissances internationales qui se retrouvent. Mais en même temps, le Rwanda aussi se retrouve. Il n'y a pas que le Rwanda, le Burundi aussi, l'Ouganda et tous les États voisins se retrouvent. Pourquoi? Parce que la RDC devient un État faible, incapable de protéger son territoire, mais aussi incapable de mettre en œuvre de politiques diplomatiques efficaces pour l'intérêt de la nation. C'est comme ça que moi je dis. Vous allez même voir l'attitude des États-Unis d'Amérique par rapport à la fracture diplomatique qu'a causé Moïse Laurent-Désiré Kabila. C'est vrai. Nous allons Désiré Kabila maquisard qu'il était. Il ne savait même pas qu'un jour qu'il pouvait devenir président de la République. Sous les lobbies des États-Unis en utilisant le Rwanda comme un pont, le Rwanda a doté les moyens matériels, les moyens humains à M. Moïse Laurent-Désiré Kabila pour arriver jusqu'au point d'obtenir le fauteuil présidentiel. Mais Moïse, une fois obtenu la fonction du président de la République, il a changé les décors. C'est ça la première rupture diplomatique, même s'il n'avait pas utilisé les bonnes tactiques politiques pour arriver à atteindre les objectifs à l'intérêt du pays. Parce que Moïse Laurent-Désiré Kabila a été quand même brut, au point de traiter les secrétaires d'État américains d'une femme de courte jupe. C'était quand même très grave. Et cela a coûté à la RDC un problème diplomatique des manques de confiance des États-Unis d'Amérique. Il faut compter finalement sur qui? Non mais, je vous dis... Les partenaires francs. Non mais, le problème, ce n'est pas un problème de partenaire. Le problème, c'est le problème de la capacité managériale des dirigeants congolais. Il faut qu'on soit à même d'imposer une ligne politique et diplomatique à l'égard des États tiers. On va nous respecter si nous apprenons à nous respecter nous-mêmes. Est-ce qu'il y a des dirigeants patriotes dans notre pays? Je vous prends deux discours et je place les deux discours sur le même pied d'égalité et vous allez voir que c'était des discours de deux nationaliste et qui, en réalité, faisait peur à l'Occident. Le premier discours, c'est celui de Moïse Laurent-Désiré Kabila. Il dit « N'est jamais trahir le Congo ». C'est pratiquement le discours de Patrice Emery Lumumba qui lui a coûté l'assassinat, qui lui a coûté la mort. Et ce discours-là a effrayé l'Occident parce que dans la logique de l'Occident, avait plus besoin d'avoir quelqu'un sous notre contrôle et qui exerce son pouvoir selon le dictat de l'Occident. Ce qui n'a pas été le cas avec Moïse. Moïse a créé la rupture de la manière la plus brutale et ça lui a causé la mort. Deuxième discours, c'est celui de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Tshisekedi disait Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Son discours, moi, je l'ai toujours considéré comme un discours des patriotes, des nationalistes. Et je les place sur le même diapason que le discours de Moïse Laurent-Désiré Kabila. Quand il disait « Je suis prêt à mourir pour la sécurité de mon pays ». Vous savez ce qui s'est passé après? C'était les crashs de son avion. Est-ce qu'on nous a expliqué le pourquoi et la raison de ce crash?
Je me souviens encore, après le lancement du programme de la lutte contre la pauvreté ici à Mongafula, c'était le même jour que le président était allé aux États-Unis d'urgence. Et la presse présidentielle nous a dit que le président a effectué un voyage privé dont les raisons nous seront parvenir quelques jours après. Mais lorsque le président est revenu, surtout qu'avant d'aller, il avait organisé une réunion d'urgence de sécurité et défense. Mais après le retour du président, on n'a plus parlé de ces crashs, les raisons de ce crash. Est-ce que nous pouvons tirer la conclusion pour dire les États-Unis, ils avaient peur de ces discours nationalistes, être prêts à mourir pour la sécurité de son pays? N'est-ce pas la logique de Moïse Laurent-Désiré Kabila n'est jamais trahir le Congo? Est-ce que Tshisekedi pourrait compromettre les bases en termes de concessions faites avec l'Occident? Ils avaient peur et pour ça, il faut le brimer. Pour ça, il faut le menacer. Pour ça, il faut le faire peur. Merci. Et aujourd'hui, nous tirons les conséquences. Et donc, il faudrait que M. Tshisekedi soit beaucoup un homme debout comme son peuple. Le merci peuple beaucoup congolais est debout, vous avez vu. D'accord. Ce peuple a bravé la peur en voulant entrer sur le territoire rwandais. Merci beaucoup, Manik Sienda. Donc, c'est un problème de management politique. Très bien. Il faut une capacité managériale dans le chef du président de la République et de son gouvernement. Alors, l'adhésion de la RDC à la communauté des États d'Afrique de l'Est a été critiquée par plusieurs. Beaucoup d'analystes ont critiqué ça, que ça ne produira aucun fruit en termes de sécurité. Et même aujourd'hui, on continue de critiquer cette adhésion-là. Ces États sont des États qui sont parmi les États qui ne sont pas sincères avec la RDC. C'est de l'hypocrisie. La position du gouvernement, c'est que le gouvernement n'entend pas quitter cette zone, cette communauté, pour des raisons qui lui sont propres. Est-ce que cette position du gouvernement est-elle rassurante vis-à-vis de la communauté de l'Afrique de l'Est? Bon, c'est là que les choses semblent toujours être un peu très compliquées. Et finalement, on reviendra toujours à les charger, à dire qu'ils sont responsables de ce que nous vivons. Parce que quand vous vous amenez dans une démarche, vous devez au préalable vous définir l'objectif. Et en imaginer un peu les résultats, ou comment vous allez y arriver, que d'adhérer dans des structures qui ne nous bénéficient en rien. Les pays de l'Est, qu'est-ce que nous on va faire là-bas? Quels sont les pays d'abord qui sont membres là-bas? Nous sommes d'abord de l'Afrique centrale. Ça, c'est un fait. Nous sommes ici entouré des pays qu'on a d'ailleurs avec lesquels il y a eu des engagements militaires. Mais quel en est le résultat? L'Ouganda est sur notre territoire militairement et depuis, ils ne parlent plus de rien du tout. Ils exploitent de l'or. Les Burundais sont sur le terrain. Depuis qu'ils sont là, qu'est-ce qu'ils font? Qui les prennent en charge depuis, si ce n'est, depuis août? Et tout cela, pourquoi aller encore ajouter d'autres signatures? On va adhérer dans ceci ou dans cela, en train de charger carrément le pays inutilement. La Russie qui mène la guerre en Ukraine, mais la Russie a triché. Les munitions que la Russie commence à utiliser, les services américains ont découvert que ce sont des munitions de Kim Il-jung, le Nord-Coréen. Et les drones que la Russie est en train d'utiliser, ce sont des drones iraniens. La Russie, à elle-même, ne savait pas comment continuer encore cette guerre-là. Mais pourquoi nous, on ne peut pas tricher, avoir du matériel et défendre la patrie? Parce que tout le monde nous vient en escroc. Patrick Mouyaya qui dit qu'on ne va pas recourir à une milice, notamment Wagner, pour régler les problèmes de milice. D'abord, cette histoire-là, moi, je ne voudrais même pas en entendre parler. Dire comme ça, qu'on doit aller chez Wagner ou je ne sais quoi, est-ce qu'il faut d'abord estimer les conséquences? Vous savez, Lumumba n'était pas du tout un socialiste. Mais Lumumba, quand il n'a pas reçu, il pensait que les États-Unis allaient accepter de l'appuyer pour chasser la Belgique, ignorant que non, ces gens-là sont liés par l'histoire autour de la RDC. Lumumba, maintenant, il trouve que les Américains ne sont pas d'accord. Il écrit une lettre, il conçoit une lettre pour envoyer et demander à la Russie de l'époque, à l'URSS, de venir appuyer pour chasser les Belges. Son ami qui était son secrétaire, un certain Kandolo, il vole la note, il va la vendre chez le chef d'antenne de la CIA ici. Chuter. Et tout de suite, pour chuter, les États-Unis l'ont déclaré Satan. Donc, il faut l'éliminer. Alors, jouer avec cette histoire-là d'aller chez Wagner,
Écoutez, Félix, c'est un civil, il n'est pas militaire. Il ne faut pas l'amener dans une histoire où on va encore davantage. Mais cette histoire de crash, jusqu'à aujourd'hui, on ne nous a jamais dit le pourquoi et ça venait d'où. Et s'il était monté dedans? Merci beaucoup. C'était fini. Merci beaucoup, monsieur Henri Tshimbalanga. On nous a signalé qu'on n'a plus assez de temps. Merci, Mani Kienda. Malheureusement, je ne saurais vous donner le mot de la fin. On connaît ce qu'on connaît ce matin. Merci. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci. Merci, monsieur Henri Tshimbalanga. Merci à vous aussi, chers téléspectateurs. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain avec le même plaisir autour d'un autre sujet d'actualité. BioHebs Cacao est un cacao en poudre de première qualité, mêlant l'utile à l'agréable, originaire d'Afrique. Le bio-cacao possède des propriétés médicinales et aphrodisiaques naturelles puissantes. Notre cacao n'est composé d'aucun arôme artificiel, d'aucun colorant ou des conservateurs. Avec de l'eau chaude ou du lait, profitez d'un tendre goût de cacao. Avec BioHebs Cacao, vous êtes assuré de retrouver une capacité physique optimale. Un complément alimentaire conçu pour les hommes, augmente la libido pour une santé sexuelle positive. 30 minutes après l'usage, vous avez des résultats positifs. C'est la première fois que j'ai goûté un complément alimentaire sain, propre, bio, sans produits chimiques et sans aucun effet secondaire, qui fait des merveilles. Tout ce qui est écrit pour ce produit est vrai. Bienfait pour le cœur et la morale, lutte contre l'hypertension, pour le diabète. En tant que médecin, je vous conseille de l'utiliser. Et pour devenir distributeur, écrivez-nous sur jaimesociety1@gmail.com.